assurés. Par contre, ces enfants, ils sont venus pour que nous puissions le présenter à Dieu. Donc, bango ba kozana sa protection ya Saint-Esprit. C'est-à-dire, eux, ils demeureront sous la protection du Saint-Esprit. Et la main de l'Éternel ekotika kolongwa likolo na bango te tous les jours de leur vie. Et la main de l'Éternel ne s'éloignera jamais de leur vie, toute leur vie. Alléluia. Dieu est vivant. Kozana bino na posa te ya koluka to kene lukanda komo po ba kangama na protection. Awa. Et pas encore basé par contre sa protection. Ce n'est même pas la peine de chercher qu'on allait en une maison pour qu'on puisse protéger votre enfant. Ici, du fait que vous le présentez devant le Seigneur, la protection est assurée. Bon bangate, oh maman, on a yaga kote nanda kwa tala ki mwana mutu. Awa, le quoi to sali boy. Soyez mon Dieu tala mutu, mutu ya mutu la mutu kabwana. Ne craignez rien, vous allez dire peut-être qu'il y a une maman qui est venue et comme ça, elle a divisé la tête de l'enfant comme on a l'habitude de le faire en Afrique. Mais je vous assure qu'ici, puisque les enfants ils sont entrés dans cet endroit, si cette maman-là ose, c'est sa tête à elle qui sera divisée. Que je vous lise une chose. Dans le livre de Luc, dans le chapitre 2, au deuxième chapitre, verset 21. Je commence à lire à partir du verset 21. Lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Même Jésus, même qui est appelé sous le temple pour la représenter par un Nzambe. Même Jésus a été apporté, a été amené au temple pour qu'il puisse être présenté devant l'Éternel. Na huitième jour, bisokutu ah toko zaba 2-3 mois parce que makambo ebele bimingi, il faut ba vaccin tout cela. Mais bango na époque na loi 8e jour, il faut qu'on aille na temple. Nous, à notre époque, nous attendons après 2 mois, 3 mois, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend. On dit qu'il faut que l'enfant soit d'abord vacciné. Mais à leur époque, eux, on a mené l'enfant au 8e jour. Parce que 8e jour, c'est le nouveau départ. Parce que le 8e jour signifie le nouveau départ. Donc, tant que moi, na botamaki, lorsque l'enfant, la loi, azoko qui ça 7 jours. Il y a création, il y a 8e jour, il y a le nouveau départ pour Namutu. Alors, il ne faut pas qu'il ne présente pas Nzambe pour Abanda, il y a Evi. Donc, on comptait le jour de la naissance de l'enfant, le premier jusqu'au 7e jour, cela signifiait que c'était la création. Et au 8e jour, c'était le nouveau départ, c'est-à-dire maintenant, c'était la vie de l'enfant qui commençait. Et Nzambe a kende na ye longo. Et que Dieu puisse s'acheminer avec lui tout le long de sa vie. Longo. Et Dieu s'acheminera avec tous ses enfants. La main de l'Éternel le verra aujourd'hui et ses yeux le verront aussi aujourd'hui. Amen. Esther. Esther. Miracle. Esther Meraldi, miracle de Dieu. Esther Meraldi. Esther Miradi. Miradi. Esther Miradi. Nazali au pambola yo lelo. Je te bénis aujourd'hui. Na présenté longina yo liboso na Nzambe. Je présente ta face devant Dieu. Pena le belio e komami na écriture. Et je te déclare ce qui est écrit dans que un ange du Seigneur. Qu'un ange du Seigneur akomanda kotala yo pe akotala Nzambe pona situation na yo. Commencera à veiller sur toi et à présenter tes situations devant le Seigneur. L'ange ona ako veiller kino yo ke no fanda na trône wana Esther avandaki. L'ange, cet ange de Dieu veillera sur toi jusqu'à ce que tu puisses aller t'asseoir sur le trône comme Esther l'avait fait. Osa elombe. Tu es une battante, une vaillante. Esther. Esther. Nayo. Royaume ya tata ekozwa succès. Par toi, le royaume du Père aura du succès. Esther. Esther.
Le ventre de toutes les femmes qui étaient debout sur ce podium sont bénis par toi. C'est ta main qui cherchait à tuer leurs enfants a échoué. Tu es béni, Esther. Opambolami, Esther. Regarde la main de Dieu sur toi. Tu es béni de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es béni de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es béni, Esther, de la bénédiction de l'Église et de Jésus-Christ. Tu es béni de la bénédiction de l'Église et de Jésus-Christ. Et on t'a béni. Okozala, moi si kitoko. Tu seras une belle femme. Okozala, moi si ya mapamboli. Tu seras une femme de bénédiction. Okozala, moi si na ba hauteur. Tu seras une femme de hauteur. Liloba mokote na ona lobi ekotombe à côté. Aucune parole que je déclarerai tombera vie à côté. Vie naye kozala protégée et la mort sera plus loin encore de ta vie. Ta vie sera protégée et la mort sera très très loin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christ. Mbongo koya. L'argent viendra. Pour accompagner yo. Et cela t'accompagnera. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Va causer ma garde corps. Ils seront tes garde-corps. Na bénir yo. Je te bénis. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Et la Yesu ma bo. Bongo o kombo ni. Hein? Et elle s'appelle comment? Grâce. Grâce. Ah. Grâce. Bébé, grâce l'or. Grâce l'or. Grâce l'or. Grâce l'or. L'or. Grâce l'or. Bon, vous avez l'or rébellé. Tu auras beaucoup d'or. Hein? Alléluia. Dieu est vivant. Grâce. Grâce. Mon nom est grâce. Cet enfant est une grâce. Yonde na sa ki délivrance. C'est de toi que j'avais procédé à la délivrance. Hein? Ici. Oh, le Seigneur est bon. Grâce. Grâce. Nazo pambola yo. Je t'ai béni. Nali pambola Abraham et Isaac et Jacob. De la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nali pambola ya église et encore pe na kombo na Jésus-Christ. De la bénédiction de l'église du Seigneur et au nom de Jésus-Christ. Oza béni. Tu es béni. Grâce à la l'ange moko telemi po ata la situation na yo liboso na Nzambe. Grâce, regarde cet ange qui est debout pour plaider, pour voir ta situation et la présenter devant Dieu. Et regarde la face de l'Éternel. Et la main de l'Éternel ne s'éloignera jamais. Tout le temps de ta vie, grâce na grâce car ebanda ko accompagner. Tous les jours de ta vie, tu seras accompagné que par grâce et grâce. Ma porte est quoi qu'on sera fermée, qu'on sera ouverte pour nayo parce que c'est grâce. Ces portes qui pouvaient être fermées seront ouvertes pour toi à cause de la grâce. Bénédiction et à ma boumoué belé lelo. Tu es une bénédiction pour plusieurs ventres de femmes aujourd'hui. Grâce. Grâce. Yo suis grâce lien mon côté maternel ou paternel et kolandayo. Toi tu as reçu la grâce, tu ne seras pas poursuivi par aucun lien maternel ou paternel. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christ. Mbongo elandayo. Que l'argent te suit. Pe ba bénédiction andenge nandenge. Et que plusieurs bénédictions aussi te suivent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yo moko zala béni. Toi-même sois béni. Na papa ya mwana. Et le papa de cet enfant. Pe na bana mosoza na ba. Et d'autres enfants que tu as. Frère ozala béni. Frère que tu sois béni. Parce que Nzambe a utilisé yo. Parce que Dieu t'a utilisé. Otomona le pambolio. Pour que nous puissions voir cette bénédiction. Ma sœur ozala béni. Sœur que tu sois béni. Tala Nzambe akopesa bino makoki po boboko la bana. Regarde, Dieu vous donnera le moyen, les capacité pour pouvoir faire grandir ses enfants. Tu veux encore une autre grossesse dans Amen. Peu de temps? Hein? Amen. Tu es béni. Au Pambolami. N'hésitez pas parce que moi, je suis assuré. N'hésitez pas parce qu'il y a un autre enfant qui arrive. Je dis que ce sera une grande joie pour tu toi. Tu es béni pour la foi au Zaki Nango. Sois béni pour la foi que tu as présentée. Et de la manière où tu as exhorté le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christo. L'église, nous levons nos mains et nous disons merci à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christo. Merci, Tata. Merci, Père.
Ces enfants sont bénis. L'église est bénie. L'église est bénie. Toutes ces femmes qui étaient stériles sont bénies maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, vous pouvez répondre. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome. To bengi bino koya kusangana na biso na ngomba ya Assemblée du Dieu vivant mokolo ya yenga na 10h pe mokolo ya mercredi pe vendredi na 18h30. Boye malamu.